Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau tour de magie. Cette fois-ci, on va utiliser des dés et un jeu de cartes. Donc celui-ci, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il est vraiment extraordinaire. C'est peut-être un des meilleurs effets que je connaisse avec des dés, il est vraiment incroyable, vous allez voir. Donc vous dites à votre spectateur que vous avez 4 dés, 2 dés de chaque couleur, 2 dés verts, 2 dés rouges. Un jeu de cartes, donc il peut mélanger le jeu avant, pas de problème. Donc si un joker, vaut mieux l'enlever. Mais je ne crois pas qu'il y en ait un. Non, c'est bon. Donc il peut mélanger vraiment comme il veut. Vous retournez à ce moment-là et vous lui dites de prendre des 4 dés et de les jeter comme ceci et de choisir deux couleurs. Donc il peut les jeter le nombre de fois qu'il veut. Il s'arrête quand il le désire et vous lui demandez de choisir une couleur. D'accord? Donc il va choisir les rouges. D'accord? Ici. Et vous lui dites de d'additionner les 2 dés rouges et de mémoriser la carte qui arrive au-dessus du paquet. Donc vous avez le dos tourné depuis le début. Vous ne savez pas du tout sur quelle face il est tombé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va mémoriser le roi de carreau, ici. Et vous lui demandez de cacher ces deux dés-là. Donc il va cacher avec le gobelet. Il les recouvre ici. Vous faites face au spectateur. Vous reprenez le jeu en main. Et vous dites, voilà, je ne sais pas les dés qu'il y a en dessous du gobelet, ici. Il m'est impossible de savoir. Okay. Et je vais essayer de placer votre carte à une certaine position. Donc vous prenez le jeu en main et soit derrière votre dos ou sous une table, vous allez ranger le jeu d'une certaine façon. Donc là je prends les cartes en dessous de la table et je vais faire mon petit arrangement. J'ai bientôt fini. Voilà. Donc ça prend à peu près 15-20 secondes. Vous remettez les cartes sur le tapis devant le spectateur. Ensuite, il va devoir soulever le gobelet. Donc le magicien va découvrir pour la première fois sur quelle face il est tombé. Il ne peut pas savoir. Ici, un 6 et un 4. Et vous allez lui demander de retourner chaque dé. D'accord? Donc il va retourner chaque dé comme ceci. Hop. 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 En fin de compte, il retourne l'opposé du chiffre qu'il y avait. D'accord? Et on tombe sur un 2, un 3, un 1 et un 3. Vous faites remarquer à ce moment-là, c'est très important de le dire encore une fois, qu'il vous était impossible de savoir sur quelle face il allait tomber avec les dés rouges. Et c'est vrai, on ne peut pas savoir. Et pourtant, vous allez pouvoir faire un véritable miracle. Et vous dites, maintenant, on a des nouvelles faces de dés. Donc on va compter 2, d'accord, ici, 2, le 3, 1, 2, 3, le 1 et le 3, 1, 2, 3. À ce moment-là, vous demandez la carte du spectateur, il va vous dire le roi de carreau, vous lui dites, vous ne croirez jamais, mais votre carte est ici sur le jeu. Et vous retournez la carte, et effectivement, on est sur la carte du spectateur. Vraiment, c'est un tour de fou, c'est une petite bombe comme tour avec des dés, parce que vous n'avez aucune indication sur les dés rouges. Et je pense que c'est un tour irremontable. Je ne pense pas qu'on puisse trouver le truc parce que c'est vraiment très bien pensé. Donc c'est un tour de Stewart James. Donc Stewart James, il a créé des tours vraiment fabuleux. J'ai déjà proposé pas mal de tours sur ma chaîne de ce magicien. Et vraiment celui-ci, bah, c'est une petite pépite à mon avis. C'est très fort vraiment. Et la méthode est vraiment ingénieuse. Je vous explique ça tout de suite. Donc vous avez besoin de 4 dés. Prenez des dés de chaque couleur, c'est mieux. Donc là, j'ai pris deux rouges et deux verts. Un jeu de 52 cartes et un gobelet pour cacher les dés. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je pense pas que ça s'appelle un gobelet, mais bon, peu importe. Et vous faites mélanger les jeux par le spectateur et vous vous retournez tout de suite à ce moment-là. Vous lui faites jeter les dés plusieurs fois pour lui montrer qu'ils ne sont pas truqués. D'accord? Et il s'arrête quand il le désire. Vous lui dites ça. Donc imaginons il s'arrête ici et vous lui dites choisissez une couleur. Il va choisir les verts. Donc vous lui dites très bien, vous êtes tombé sur deux faces de dés et vous allez additionner ces deux faces. Donc il va additionner le 6 et le 5 et mémoriser la carte qui se trouve à la 11e place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Il va mémoriser le 8 de carreau. Vous lui demandez de cacher ces dés-là avec le gobelet. Les dés avec lesquels il vient de compter à l'instant, vous ne pouvez pas savoir, c'est ça qui est fort dans ce tour, sur quelle face il vient de tomber. Vous retournez à ce moment-là, vous prenez les cartes en main et vous dites que vous allez essayer de placer la carte du spectateur qu'il vient de mémoriser à une certaine position. Vous allez pouvoir réussir à placer la carte au total des faces des dés qu'on va retourner à chaque fois après, d'accord? Et ça, c'est vraiment très fort. Comment ça se passe? Quand vous retournez, que vous avez les cartes en main, vous regardez brièvement les dés rouges ici. Le 6 et le 3. Donc vous additionnez ces deux dés-là, ça fait 9. Et vous allez toujours soustraire à 28. Ça sera toujours 28. Donc 28 moins 9, 19.
Et vous prenez les cartes soit derrière votre dos, soit en dessous d'une table, et vous dites, je vais placer votre carte à une certaine position. Et vous allez compter 19 à partir du dessus du jeu en inversant les cartes une à une. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et vous remettez sur le dessus du jeu. Et là, c'est vraiment magique. On vient de placer la carte du spectateur. Vous allez voir exactement aux nombres qui sont en dessous, à l'opposé des chiffres ici. Alors qu'on ne savait pas les faces des dés verts, d'accord? Je vous le rappelle. Donc vous dites au spectateur de découvrir les dés, et vous dites, je découvre pour la première fois la face de vos dés, je ne pouvais pas savoir sur quel chiffre il allait tomber, et vous dites au spectateur qui retourne chaque dé, d'accord? Donc l'opposé des chiffres qui sont ici. Donc qui retourne, tac, tac. Et là, on tombe sur 4 nouveaux chiffres, d'accord? Et vous lui dites qu'on va compter les cartes à chaque fois. Donc là, on a un dé rouge avec un 1. Vous posez une carte. On a un 4. 1, 2, 3, 4. Un 1, dé vert. Et 2, le dé vert. 1 et 2. Et là, vous lui dites, vous n'allez pas me croire. Mais on vient de tomber sur ces chiffres-là vraiment par hasard. Je ne savais pas la face des dés verts que vous avez jetés. Et pourtant, j'ai réussi à placer votre carte à la bonne position. Vous demandez à ce moment-là la carte du spectateur. Vous retournez et on est bien sur la carte du spectateur. Et là, vous venez de faire un petit miracle avec 4 dés. Et là, je vous promets, il peut chercher, il trouvera rien du tout. C'est trop dur à trouver, à mon avis. Donc, c'est un tour de fou, vraiment, avec 4 dés. Très facile à faire. Vous avez juste à soustraire à 28. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et là, votre spectateur va se creuser vraiment la tête, je vous promets. Il va pas comprendre comment vous avez pu deviner les nombres, surtout des dés cachés. C'est ça le véritable mystère de ce tour. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit tour de mentalisme. Je vais l'appeler Any Card at Any Dice. C'est pas mal comme titre. Donc si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires et à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous. À très vite.